Bienvenue à toi qui te pose cette question, comment débuter dans le développement personnel? Tu débutes dans le développement personnel et tu ne sais pas par où commencer. Je te comprends, le sujet est vaste, mais grâce à mon expérience, je peux te faire gagner un temps précieux en te guidant dans tes recherches. Si tu as déjà entendu parler de travail sur soi et que tu n'es pas parti en courant, c'est déjà une bonne chose. Je tiens à te rassurer, pour moi ça n'a rien à voir avec un travail. D'ailleurs, je tiens à te prouver que par des petits exercices, tu peux complètement rendre concret des concepts parfois un petit peu abstraits et voir rapidement des effets positifs et des changements dans ta vie. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ma vision du développement personnel. Je vais partager avec toi ma méthode sur mesure pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Pour ça, je te parle des trois étapes indispensables pour débuter dans le développement personnel. Salut, moi c'est Hélène. Je suis la créatrice de Contour Grenadine, un univers qui allie l'illustration et le bien-être. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux ou directement sur mon site Contour Grenadine. Je suis graphiste intuitive et j'enseigne les arts graphiques depuis plus de 15 ans déjà. Graphisme, publicité, illustration, que l'image soit analogique ou numérique, c'est un langage courant pour moi qui est vital et indispensable dans mon épanouissement quotidien. Depuis plusieurs années, je consacre une bonne partie de mon temps au développement personnel. Oui, c'est vrai, c'est un peu exagéré, et là, c'est qu'une toute petite partie. Depuis que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Aujourd'hui, je suis trop impatiente de partager avec toi mes découvertes à ce sujet et ma méthode secrète. Oui, en fait, mais maintenant, elle sera plus vraiment secrète. En fait, je te parlais de ma vision du développement personnel. Bien, on peut aller un petit peu plus loin parce que c'est plus qu'une vision en fait, c'est complètement des pratiques concrètes et complètes. Je ne sais pas toi, mais si on me demande de te résumer le roman que j'ai lu l'année passée, je risque de ne pas vraiment me rappeler du titre ou de l'auteur. Si tu me demandes ce que j'ai mangé il y a 6 jours, alors que c'est moi-même qui ai préparé le repas, comment te dire ? Salut, je m'appelle Doris. J'ai complètement zappé. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai gardé au moins quelque chose de chacun des livres que tu as vus. Et il y en a d'autres. Parce que je les ai mis en pratique tout simplement. Oui bon, à ma manière, on est d'accord. Et là, tu te demandes quelle est cette approche. Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait un nombre incroyable de points communs entre les différents courants de développement personnel et l'apprentissage des techniques créatives. Magnifique! Du coup, j'ai imaginé des applications simples et concrètes, celles que j'applique depuis des années d'enseignement, avec pour seul objectif de trouver du bien-être. Rendre concret des concepts abstraits. Et devine quoi? Ben, ça fonctionne quand même pas mal. Tu n'imagines pas le nombre de choses que j'ai retenues. Et je te rappelle que... Salut, je m'appelle Doris. D'ailleurs, si tu souhaites essayer, rien de plus simple, il te suffit de t'abonner à ma chaîne. Ben oui, je vais pas pouvoir tout expliquer en 10 minutes. Mais là tout de suite, je te propose de découvrir 3 étapes indispensables pour bien débuter dans le développement personnel et peut-être y devenir accro, fais attention. Première étape, trouver ta passion. Ton chemin de vie, ta motivation, ce qui te rend heureux, ton moteur. Si tu ne l'as pas encore identifié, je peux t'aider à mettre la main dessus. Si tu le connais déjà, c'est parfait, alors on peut voir ensemble comment le remettre au centre de ta vie. Étape 2, créer un monde à ton image. Si tu sais ce qui te rend heureux, il n'appartient à toi et à toi seul de te tout mettre en œuvre pour pouvoir justement en vivre et vivre de manière plus épanouie. Logique. Avec des petits exercices pratiques et concrets, jour après jour, ben, il faut entretenir cette passion, il faut entretenir ce feu et tu vas voir que c'est très simple de voir des changements arriver assez rapidement. Étape 3.
Le développement personnel, c'est un petit peu comme un jeu de piste. Bon, il est différent pour chacun. Et c'est ça qui est super, c'est que finalement, on doit faire un travail sur mesure. Pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à comprendre pour enfin passer à l'action. Si tu sais ce qui t'anime, si tu as compris quel était ton moteur, si tu as trouvé le moyen de trouver l'interrupteur et que tu as allumé la lumière, pourquoi tu voudrais l'éteindre? On ne parlera plus de travail, de développement personnel ou de travail sur soi. Je peux te garantir que tu seras accro à cette nouvelle façon de voir la vie. Évidemment, l'interrupteur ne sera pas le même pour tout le monde. Alors, si tu as envie de tenter l'expérience avec moi et de devenir une meilleure version de toi-même, c'est simple. Abonne-toi à ma chaîne et reçois tous les outils pour franchir ces trois étapes de façon concrète, rapide et facile pour voir arriver des changements positifs dans ta vie. Tu trouveras comment débuter ton développement personnel sur mesure qui te correspond. Et voilà! Merci, à bientôt!